Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment imprimer un document en recto verso depuis Word 2013. Pour cela, c'est très simple, lorsque vous êtes dans votre document, rendez-vous déjà dans l'onglet Fichier de votre ruban, tout en haut à gauche. Lorsque vous êtes dans Fichier, il faut évidemment aller dans la catégorie Imprimer. Et lorsque vous êtes dans Imprimer, vous voyez ici que vous avez l'option Impression recto. Si vous ouvrez le volet déroulant, vous aurez plusieurs options. Vous pouvez avoir Impression recto comme ici. Imprimer manuellement en recto verso. Lorsque vous faites ceci, ça signifie que dès que votre page sort, vous devez la remettre dans votre imprimante pour qu'elle imprime de l'autre côté. Ou bien, vous pouvez également, lorsque votre imprimante le permet, avoir impression recto verso automatique. Vous choisissez donc l'option qui vous convient le mieux, vous cliquez dessus, vous voyez que c'est changé et vous pouvez faire imprimer si toutes les options vous conviennent. Maintenant que vous savez imprimer en recto verso depuis Word 2013, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec les options d'impression ou la gestion de vos fichiers Word, eh bien je vous conseille de vous rendre dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir !